Alors je dirais que tous ceux qui me connaissent pourront dire que je suis une personne très ponctuelle. Bon, ok, j'avoue, ça arrive que des fois je suis en retard. Quel des fois? T'es toujours en retard. Ta tête, l'on dirait du couscous mal préparé. Bon, ok, j'avoue, je suis tout le temps en retard. Mais c'est pas ma faute. Tu vois, moi, dans ma famille, être en retard, c'est un don. Ben ouais. Ça a été transféré de père en fils. Grand-papa à grand-fils. Grand-fils à fiston de chez fiston. Le père de mon père, il était en retard. Le père qui était le père de mon père était en retard. Les grands-pères du grand-père. C'est la grand-pératologie. Il était en retard. Donc, je comprends pourquoi moi aussi, il fallait que je sois comme ça. Désolé à tous mes potes qui doivent m'endurer. Sachez que c'est pas fait exprès. De toute façon, je commence à faire des efforts pour arriver à l'heure. Hein, Guillaume? Ouais, mec. Putain, je t'aime bien, toi. Au fait, je pense que c'est une maladie. Ouais, maladie. La retardéologie. Ouais, ouais, je sais, c'est une maladie que je viens de créer. J'en suis fier. Bah ouais, chacal, parce que même quand je me dis que je dois être à l'heure, même quand je vais être à l'heure, même quand je suis sur les chemins pour être à l'heure, même quand j'arrive à destination à l'heure, il doit toujours se passer quelque chose pour que j'arrive en retard. C'est pas normal. C'est pas normal. On dirait qu'il y a un ange de retard qui veille sur moi. On dirait un jour Dieu s'est réveillé, il a dit: oh Joël, lui va toujours arriver en retard ce bâtard. Oh putain, je me suis réveillé à l'heure pour une fois. Aujourd'hui je serai à l'heure. Ouais, c'est bon. T'es qui toi? Moi je suis l'ange du retard. Vas-y, regarde un peu ton poussin, regarde comment il a l'air doux et moelleux. Vas-y, mets ta tête encore un peu, juste 15 minutes, juste 15 minutes. Ouais, ouais, j'avoue, t'as un très bon poids là. Ah ouais, je vous jure, j'ai vraiment un ange qui veille sur moi pour arriver en retard. C'est bon, cette fois-ci, je suis prêt, je suis en avance. Bon, moi je sors. Mais non, là t'es pas prêt. Regarde tes cheveux, comment ils sont mal peignés. Prends encore 20 minutes, prends 20 minutes. Va aux toilettes, arrange-toi 20 minutes, 20 minutes. T'as raison. Encore quelques minutes, on va se mettre. Ouais, c'est bon, vas-y. Mais bon, étant donné que je suis devenu un maître dans l'art du retardisme, la retardologie, je pense avoir analysé plusieurs sortes de retard. Retard numéro 1. Alors pour commencer, on a le retard du matin, ou bien sûr en langage du chacal, le matinard. C'est un mélange de matin et retard, matinard, c'est bon bye. Au fait, ce retard est plutôt simple. Bah bien sûr, tu snooze, brosse tes dents, tu fous rien, et tu cours. Sinon, le deuxième type de retard, on a le retard durant la journée, ou plutôt le journard. Bon, t'as capté, journée, retard, ça fait journard. Ta gueule, t'es moche! Retard numéro 2. Tu fous rien, et tu cours. Ce qui est sûr dans les deux cas, ça fait 4 là. Ce qui est sûr dans les deux cas, on finit par courir. En plus, courir c'est bon pour la santé. Donc, ce qui veut dire que techniquement, être en retard, c'est bon pour la santé. Albert et son style. Mais non, je plaisante. Faut pas être en retard, chacun. Faut être à l'heure. À chaque fois que t'es en retard, mets-toi à la place de la personne. Chacun. Mais t'étais où? Je suis désolé, bro, je suis en retard, je suis vraiment désolé. Mais ça fait une heure que je suis ici, je t'attends. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Là, je peux me mettre à ta place. Ouais, il est con. Quelle blague de merde. Yeah. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui, la famille. Bah ouais, je vous laisse déjà, je sais. Comme je vous ai dit, chaque mardi on est là. Activez la cloche, la fée clochette là. Bref, la famille, c'était tout pour moi. Alors si t'as kiffé, tu sais déjà, ouais, c'est bon, tu lâches un pouce bleu. Et si t'as pas kiffé, voilà. Oh merde, j'arrive mal. Ok, ça n'a pas fonctionné, on va recommencer. Si t'as kiffé, ouais, c'est bon. Si t'as pas kiffé, voilà. C'est bon, là je l'ai là. Alors si t'as kiffé, tu sais déjà, ouais c'est bon, tu lâches un pouce vert, merde c'est vert ou c'est bleu? Putain c'est bleu! Puis voilà, on est là. Bref, c'était tout pour moi aujourd'hui la famille, c'était... Bref, la famille, c'était tout pour moi, alors si t'as kiffé, tu sais déjà...
C'est juste, je vais faire tout ça dans la vie. Attends. J'ai pas kiffé.